La guerre nous a été déclarée. Rome, la république à l'ouest de la mer Ionienne, a ouvert les hostilités alors que nous n'avions aucune diplomatie avec eux. Ils veulent asseoir leur suprématie de la Méditerranée. Pour ce faire, ils sont déjà en guerre depuis quelques années contre Carthage et les peuples gaulois de la Cisalpina. À court terme, ils sont un danger. Un débarquement à Apollonia venant de Brundisium se ferait en quelques jours à peine, et la province tomberait facilement. Le problème est qu'aucune de nos troupes se trouve près de la province pour la défendre. Je fais ordonner à mes troupes se trouvant à Anteia de se rendre à Apollonia le plus vite possible pour y défendre le passage maritime contre les Romains. Mais il leur faudra 4 ou 5 mois avant d'arriver, il faut contourner toute la Grèce pour cela. Le plus urgent est quand même d'acquérir de l'information. J'envoie une espionne à Magna Grissa pour avoir une idée des forces présentes sur place. Et dans le doute, je fais rapatrier en urgence mes troupes présentes en Malba, qui arriveront d'ici 2 ou 3 mois. Pour finir, je fais également ordonner le recrutement d'une nouvelle armée à Athènes pour parer toute éventualité. Arrivé à Brundisium, mon espionne nous informe qu'il n'y a pas de grosse armée romaine stationnée dans les environs. Nous ne savons pas où elles sont, mais nous pouvons exclure un débarquement surprise en Apollonia. Théophanes en profite pour traverser la mer et prendre les Romains à leur propre jeu. Très bonne initiative de sa part. Ils ont sûrement eu vent de nos conquêtes au nord et ne s'attendent pas à ce qu'une armée débarque chez eux en à peine 4 mois. Le front romain semble prendre une bonne tournure. Mais une énorme armée jette a été aperçue au nord de Malba. Un de mes généraux se rend sur place et recrute quelques mercenaires pour tenir la ville. Ils se défendent vaillamment et poursuivent même les fuyards. C'est ainsi que nous en finissons avec les jettes. Dans la foulée, je m'occupe des Apuliens, qui ont soutenu les jettes en leur laissant le libre passage. Je bats leur armée facilement. Leur nom était les boucliers incassables. C'était avant de rencontrer nos lances. Vos boucliers ne serviront maintenant qu'à fertiliser les sols. Pour en revenir à Théophanes, il arrive à créer une tête de pont à Brundisium à l'été -268. Notre flotte principale et une grande armée contrôlent maintenant une partie du territoire de l'est de la Magna Grecia. De plus, Massilia, un royaume hellénique de Provence, déclare la guerre à Rome. Nous nous rapprochons naturellement d'eux. Je suis honoré de vous recevoir. Ils sont connus pour leur ville portuaire commerciale, mais aussi pour la valeur de leurs guerriers celtes qui ont à plusieurs reprises menacé et pillé Rome. Ils connaissent bien le coin. Et ces derniers ne tardent pas à prendre la ville côtière d'Ariminium. Il ne faudrait pas qu'ils prennent Rome non plus. J'envoie une missive à Théophanes lui ordonnant d'accélérer la cadence. M'écoutant, il prend Néapolis, une ancienne ville grecque, et enchaîne sur Rome à quelques jours de marche. Il ne rencontre pas de réelle résistance. Il semblerait que les Romains soient occupés en Maurétanie. On voit que la Nova Carthago est tombée. Quels idiots! Ils ont retiré leurs troupes de leur capitale pour se battre face aux Massiliens au nord, et finalement ils ont tout perdu. Bilan au début de l'hiver, toute l'Italie, hors Sicile, est tombée entre les mains Sparte, et un petit peu entre les mains massiliennes. Voici une démonstration de la puissance grecque. Je dois dire que Théophanes, qui m'avait déçu lors de sa première bataille en tant que général, m'impressionne lors de la conquête de Rome. Je n'ai même pas besoin de venir, et heureusement d'un sens. Alors que la majeure partie de nos troupes était en Italie, la dynastie des Euripontides a commencé à préparer une sécession dans l'ombre. Ils ne sont pas d'accord avec ma manière de gérer Sparte et veulent prendre leur indépendance. Heureusement, j'en fus informé par un traître dans leur rang. Il faut dire que je les ai bien poussés au bord du gouffre aussi. La puissance et la réputation de ma famille augmentent tellement. Ils ont encore quelques partisans, certes, mais ils n'ont plus de puissance politique ni d'armée. Je me rends vite en Macédoine, là où les Euripontides ont bâti leur QG, accompagnés de quelques rebelles macédoniens. Pour reprendre la région des mains des sécessionnaires, je suis soutenu par la nouvelle armée créée à Athènes. Elle sera chargée de reprendre Apollonia. De mon côté, je reprends facilement Péla et Larissa. Par cette guerre éclair qui durera à peine 2 mois, je mis fin à la dynastie Euripontide. Cette fois, je fais tuer chaque membre de leur famille. Il n'en restera rien. Que les femmes et les enfants soient envoyés à l'autre bout du monde et vendus comme esclaves. Que les hommes soient massacrés. Et maintenant, nous sommes sans égaux. Nous possédons 294 des 300 gérontes du gouvernement. Et les gérontes de mon parti m'obéissant,
je suis le seul maître de Sparte. J'ai tout de même laissé se créer un nouveau parti. Ne soyez pas bête. La moitié des gens en faisant partie sont à ma cause et sont des espions. Ils me permettent de garder un œil sur les possibles personnes pouvant poser problème à l'avenir. Quoi qu'il en soit, victorieux encore une fois en Macédoine, je reprends mes conquêtes au nord et fais tomber la ville barbare de Sigingdun en Pannonia. Un de mes généraux a pris le village copier d'Epidamnos, ce qui me vaut une guerre contre les Aorci et les Illyriens. Les compagnons de Cerbère, ma troisième armée, se doivent de défendre seuls le passage du fleuve séparant nos nouvelles frontières. Mais ils sont un peu moins de 3000 et sortent d'une bataille éprouvante. En cet automne moins 267, ce sont plus de 9000 troupes de la coalition des Balkans qui essaient de forcer la position. Sparte est forte, Sparte est grande. Les guerriers de Sparte sont les plus forts. Mais là, ils sont à 1 contre 3.